Salut YouTube, aujourd'hui une vidéo sur un nouveau safe spot exactement, qui a été découvert sur la Grafton, mesdames et messieurs, petit safe spot des familles. Alors attention, c'est un, quand je dis safe spot, je veux dire safe spot, même lumière allumée, le fantôme ne peut pas vous atteindre, vous êtes immortel du moment que vous respectez certaines conditions et que vous le faites bien. Le chat est méga chaud, le MF aussi, on est parti, on a le cercle d'invocation, tu vas comprendre pourquoi c'est important de l'avoir, mais tu n'es pas obligé de l'avoir. Je vais vous montrer tout ça. Ouais, je sais, j'ai pas YouTube, j'ai pas briefé Twitch, j'ai pas briefé le chat, ils vont découvrir en même temps que vous. Alors, le safe spot se situe seulement sur la Grafton, en tout cas, j'ai pas testé encore sur d'autres endroits, et il se situe dans cette pièce, mesdames et messieurs, avec ce paravent. Il te faut ce paravent. Voilà, donc ça marche dans toutes les difficultés, évidemment. Mais selon les difficultés, tu n'as pas forcément ce paravent. Pretty Dreams, merci beaucoup pour ton prime, ça fait plaisir. Je vais te montrer ça tout de suite. En fait, si tu te mets ici, comme ça, tu n'es pas safe, tu vois. On va partir du principe. Regardez mon viseur, je le mets sur la ligne, ici. Tu n'es pas safe, du tout. Par contre, si tu maintiens la touche avancée, écoutez bien, si tu maintiens la touche avancée, que tu fais un grand cercle comme ça, tu vois que je viens d'avancer là, tu l'as vu? Et maintenant je me remets sur la ligne et tu regardes en fait. Le côté de l'écran est sur l'arrondi du truc. Là je suis dans un safe spot. Si je bouge, ça m'éjecte, tu vois. Donc en fait tu avances ici, tu fais un rond comme ça, ça te rapproche et là t'es safe. Tu vois, donc c'est, il faut être chaud sur les appuis quand même. Donc là, je suis pas dans le safe spot. Je fais un rond comme ça. Oh, bah attends, ils l'ont patché. Ils ont fait une mise à jour hein, avant que je fasse la vidéo. Voilà, là tu m'as vu avancer d'un chouille. Là je suis dans le safe spot. Okay. Vous voyez, il est technique. Hein. Là je suis pas dedans. J'avance. Tu fais un rond comme ça. En fait, il faut que tu glitches un peu dans le mur. Et là, normalement, t'es safe. Je l'ai testé offline 2-3 fois, ça marchait à chaque fois. Mais on l'a bien vu tout à l'heure. Là, on l'a bien vu. Regarde, là, tu vois, là, je peux pas avancer. Je bouge un peu. Hop, j'ai avancé. Voilà. Et en fait, le problème sur ce safe spot, c'est... comment j'ai trouvé ça? Bah, tu sais, en farfouillant sur Internet, en faisant des tests, faisant plein de trucs. Généralement, les safe spots, tu les trouves comme ça. Hein. Tu les fais des tests toi-même. Tu regardes des gens qui testent des trucs. Tu te dis, ah, ça donne de l'idée. Tu vois, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il faut obligatoirement que le fantôme vienne d'ici. Si le fantôme vient de là-bas, il te goume, tu vois. Il passe à travers la porte et il te chope. En fait, le fantôme, ce qui se passe, c'est qu'il est bloqué. Il essaye de te choper, mais en fait, en passant par là. Et en fait, il est bloqué. Donc, c'est pour ça qu'avec le cercle d'invocation, c'est plus simple. Si jamais tu n'as pas le cercle d'invocation, il va falloir être solide sur les appuis. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. C'est en fait, tu attends que le fantôme arrive ici et tu le loupes. Attends, je vais allumer. C'est allumé. Tu le loupes ici, en fait. Tu passes comme ça, tu attends qu'il arrive ici. Après, oui, il faut être solide sur les appuis. Tu le loupes, il est derrière toi, tu le loupes. Et là, si c'est pas un revenant, évidemment, tu vas vite, 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 vite. Tu te mets, tu fais un petit cercle comme ça. Et là, tu bouges plus. Tu n'as même pas besoin de continuer à avancer. Voilà. Si c'est un revenant, t'es mort, bien évidemment. C'est pour ça que c'est un safe spot, mais qui est un peu, tu vois, qui est un peu chiant à mettre en place. J'ai peur, j'espère qu'ils l'ont pas, patché, puisque j'ai découvert ce safe spot. Une heure et demie après, ils ont fait une mise à jour. Mais c'est pas marqué dans la mise à jour qu'ils ont patché ce safe spot. Allez, on va voir ça. Regardez, je me mets là. Hop, là, je suis pas dans safe spot. Je fais un petit rond comme ça. Là, je suis dans le safe spot, normalement. Normalement, hein. Normalement, il peut pas me choper. On va voir. Regardez. Donc là, je touche à rien. Je touche à rien. Je peux même tourner, tu vois. Le fantôme est complètement bloqué. C'est un safe spot, mesdames et messieurs. Incroyable. Là, si je bouge, par contre, t'es mort. Si tu bouges, t'es mort. Et j'ai éteint ma lampe. Et en fait, le fantôme a bougé. C'est pour vous montrer, hein. C'est normal, c'est fait exprès. Si vous éteignez votre lampe, le fantôme, en fait, arrête d'essayer de vous choper comme ça et fait le tour et vous tue. Donc il faut vraiment que votre lampe reste allumée. Non, non, c'est pour vous montrer, putain. Ah, il est mort. C'est pour vous montrer, bande de nœuds. Bande de nœuds, elle est sympa, cette insulte. Voilà le safe spot sur la Grafton, mesdames et messieurs. C'est un peu technique.
Tu vois ce que je veux dire? Ce que je peux faire... Voilà, donc tu peux quitter la vidéo si jamais le safe spot, c'était juste l'endroit qui t'intéressait. Ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de le faire. Je peux essayer de vous montrer comment le faire sans le... Comment t'appelles ça? Sans le cercle d'invocation. C'est un peu technique. Ça dépend aussi du fantôme que t'as. Mais c'est toujours une information qui est bon à savoir. Tu vois, si jamais t'as pas le choix, c'est toujours une information qui est bon à savoir. On va réessayer. On va réessayer. Écoutez, on verra. Même revenant, tout ça, en fait, ça marche. Hein. Ça marche avec tous les fantômes du moment qui vous chopent pas avant que vous vous cachiez. Évidemment, j'ai pas remis de briquet, j'ai pas... c'est pas grave. On va partir du principe qu'on n'a pas le cercle d'invocation de toute façon. Let's go. Vous voyez? Donc en fait, c'est pour ça, il faut vraiment qu'ils viennent de ce côté. Et si jamais vous éteignez votre lampe, vous êtes mort. C'est fou quand même qu'il y ait des spots qui soient plus safe, lampe allumée. C'est le tarot. Très bien. Eh ben écoute, peut-être qu'on finira avec le tarot. On va d'ailleurs le prendre. Écoute, pourquoi pas. Le tarot qui peut nous permettre... Alors, c'est pas sûr que j'y arrive. Hein. Pas sûr que j'y arrive. Ça reste quand même assez compliqué. On va faire un essai. Dernière fois, j'ai réussi. Parce qu'il faut arriver à louper le fantôme, du coup. On va se mettre là. On va allumer les lumières. Ce qui serait bien, c'est que le fantôme pop ici, en fait. Ah, et bah écoute. On va savoir tout de suite où est le fantôme. Ok, là il va... Regardez ce que j'ai fait. C'est que là, il est là, vous voyez. Donc normalement, s'il part en chasse, il part d'ici. Allez, faudrait qu'il parte en chasse là, tout de suite. Non? Dommage. Il est chaud, hein. Tu vois, s'il part en chasse maintenant, ça peut le faire, parce qu'il vient de la droite. Il a pas envie. On va essayer de le louper. Il a pas l'air d'être à l'étage. Ok. Ok, ok. Bon, on va espérer que ce soit pas un revenant. Oh, putain, il m'a vu. Je l'avais même pas vu. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver, chat? Cet enculé a fermé la porte. Hop, on fait un tour. On laisse la lumière allumée, regardez, on est safe. Mesdames et messieurs, je vous présente un safe spot sur la Grafton. Let's go, baby, let's go. Donc là, j'éteins pas ma lampe, évidemment. Je reste comme ça, tranquille. Vous voyez que c'est un peu plus technique. Mais ça reste faisable. Incroyable, n'est-ce pas? C'est une world premiere. God mode, voilà. J'ai activé le God mode. On va se prendre... On va se prendre des pilules et puis on va se finir avec le tarot, tu vois, histoire de célébrer. Et puis on va mourir comme un sac à merde, bien évidemment. Mais voilà, j'ai pas de pilules vu que j'ai rien mis, je suis con. Et on va faire le tarot. C'est cool, hein. Donc écoutez, par contre, il faut que t'aies le paravent. Donc tu vois, il y a plein d'options où il marchera pas. Mais bon. The Sun? Ah, super. Juste pour le délire. The Devil? Ok, donc s'il chasse, je suis mort. Donc je vais éteindre ma lampe à l'avance. Faut pas qu'il chasse. Ok. The Sun? Ok, donc il chassera pas, je suis à 100%. 75%. 50%. Et 75%. Ok, le tarot était nul à chier. Je vais pas vous mentir, mais ce tarot était nul à chier. Bref. Non, je tire pas le pendu, ça va. Bienvenue Kemras, merci pour ton prime. Bienvenue chez les gueux, ça fait grand plaisir. Ça fait grand plaisir. J'en sais rien, vas-y, on va mettre que c'était un mailing, mesdames et messieurs, incroyable. Voilà YouTube, j'espère que t'avais pas l'info. En tout cas, c'est... Putain, j'ai failli mettre Spectre. No joke, j'ai failli mettre Spectre. On s'en fout. Voilà le petit safe spot sur la Grafton, un peu technique, tu vois que c'est quand même plus facile avec le cercle d'invocation que sans le cercle d'invocation, mais ça reste quand même faisable. C'est dur à faire, mais ça peut te sauver la vie. Il vaut mieux avoir l'info que ne pas l'avoir. Voilà, n'hésite pas à partager, commenter, liker, à venir nous voir sur Twitch, t'as tous les liens en description, tu verras les choses en avant-première sur Twitch et tu pourras réagir en temps réel. Des bisous YouTube!